Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 22 juillet et je viens vous retrouver pour mon petit quotidien numéro 22. Alors autour de moi, il y a Saphir qui joue et qui fait beaucoup de bruit, comme d'habitude, hein, Saphir, que ce soit le jour ou la nuit, elle s'en fiche, elle fait du bruit. Donc on va faire abstraction, voilà. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous présenter ce que j'ai fait hier. Et ce que je porte, c'est un pull que vous ne voyez pas souvent, souvent pour l'instant, parce que bah il n'est pas sorti. C'est un test que j'ai fait pour Malorae Design, le pull Tweedy. Et il sort en septembre, donc il n'est pas encore sorti. Mais moi, je l'adore. Je l'ai tricoté dans la single non superwash de Eve EV3, dans ce beau jaune zitron. Il se caractérise, il est très simple à faire. Il a juste un petit raglan en grains de café et il se tricote en jersey en vert. Voilà, c'est pas du point mousse, c'est du jersey en vert. Au début, on tricote du jersey en vert et une fois qu'on a rejoint en rond, on retourne et on tricote de l'endroit sur l'envers pour avoir de l'envers sur l'endroit. Voilà, il est très simple, très agréable à porter. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai fait la plus petite taille, hein. Comme toujours, je fais toujours la plus petite taille, quel que soit le patron. Et ça me va. Ouais. En plus, j'adapte. Là, j'ai bien raccourci. Le raglan, je crois qu'il fallait faire un truc comme 14 répétitions et j'ai dû en faire 6 parce que bah ça m'allait déjà quoi en fait. C'est un peu un pull genre sportswear et du coup bah les emmanchures descendent très bas normalement. Et moi comme j'aime pas j'ai demandé à Malorae si je pouvais arrêter les. Ah, on peut pas voir le projet encore. Je voulais vous le montrer Non, on ne le voit pas encore. Je voulais vous montrer son prototype à elle, mais on ne le voit pas. Du coup, j'ai demandé si je pouvais raccourcir le raglan. Elle m'a dit oui, mais fais attention, tu n'auras pas assez de mailles sur les manches. Et si, même en raccourcissant le raglan, j'ai essayé en le faisant. Au pire, j'aurais relevé un peu plus de mailles. Mais ça suffisait. Bon, ben voilà. Prochain custom, c'est ça. Saphir a décidé. Elle m'a envoyé cette balle. Et toi, t'arrêtes tes bêtises un peu? Oh là 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 là. Donc voilà pour ce que je porte. Quoi d'autre? Hier. Donc hier, j'ai fait comme avant-hier. J'ai avancé uniquement sur 3 en cours. Histoire de bien les avancer et puis bah au travail c'est plus pratique d'avoir 3 en cours que 7, 8. Voilà. Du coup, je pense que je vais faire comme ça quand je vais au travail. Je vais accentuer sur 3, enfin sur moins d'en cours. Et quand je serai à la maison, bah, je reprendrai mes multi en cours. Donc tout d'abord, le top. Le cross mid-top que je teste au crochet. Alors, où est l'endroit? Où est l'envers? Ça va comme ça. Donc, j'ai pas fini ma pelote. Donc, Karen m'a répondu, elle m'a dit que ça venait de chez Action, mais que ça datait. Donc, elle sait pas s'il y a encore. Donc, du coup, bah, je vais finir la pelote. Et après, si j'ai encore besoin de laine, je prendrai celle-ci. Voilà. Merci Ursula de m'avoir aiguillée et m'avoir dit que ça allait bien. Donc, j'ai mon devant et le dos. Donc, j'ai continué, continué. Et voilà où j'en suis. J'ai bien avancé hier, hein, je suis contente. Je sais pas au niveau quantité ce que ça donne. Il faudrait que je puisse accrocher ça. On va utiliser une pince à cheveux. Hop, faut que je fasse gaffe de pas me transpercer avec. Voilà, et ça marche nickel. Et donc, si je tire dans le dos,
Hop, si je positionne, j'en suis. On va dire à la moitié du dos, je pense. Je vous montre, comme ça vous me direz. Si j'arrive à me retourner en le tenant. Voilà où j'en suis. Est-ce que vous voyez bien? Dites-moi, répondez, je vous entends pas. Oh, on voit rien. Attendez, je me mets à genoux. Voilà, là, je pense que vous allez voir. Donc, dites-moi si. Oh, je crois que j'ai dépassé la moitié du dos même. J'en suis là. Ouais, je pense qu'on est bien là, hein. Donc voilà, j'espère que vous avez vu. Je pense que oui. Donc vous me direz en commentaire si j'en suis à la moitié du dos. Je retire mes petites pinces à ma petite pince à cheveux. Voilà. Ah, très pratique cette petite pince à cheveux. Je suis tout emmêlée dans le fil. Il est où mon fil? Voilà. Ah, oh, que c'est dur de se mouvoir. Vive la jeunesse, hein? Donc voilà où j'en suis. Vous avez vu mieux que moi. Donc je vais continuer jusqu'à ce que je puisse venir faire le tour et rassembler le dos et le devant. Voilà, donc pour l'instant, ce que ça donne. Puis ensuite, il me restera les bretelles et la basque à faire. Voilà. J'adore. J'adore. J'espère que je vais pouvoir le porter. J'aime beaucoup. Est-ce qu'il est vraiment très très transparent? Alors dans le dos peut-être un peu plus, mais dans le dos je m'en fiche. Si on voit mon dos à travers, c'est pas grave. Par contre, le devant, c'est un peu plus gênant. Je sais pas. En plus, si je le tire. Je sais pas, faudra voir une fois qu'il sera fini. Faudra voir. Je ne sais pas, on verra. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Il est agréable à faire, hein. J'avance bien. Aujourd'hui, donc lundi, je suis en repos. Je vais aller voir Hélène. Je pense qu'elle a des courses à faire parce que ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Du coup, je vais pas trop pouvoir tricoter chez elle, je pense. Les 2 heures auxquelles je vais la voir, je pense que ce sera plus des courses que du tricot aujourd'hui. Donc voilà, donc je vais pas trop prévoir en plus ma chaussette, ma chaussette, j'en suis au talon, donc je vais pas pouvoir la prendre. On verra. Donc voilà, ce matin, je vais continuer ça. Oh là, j'ai démonté la moitié d'un rang, dis donc. Et bien sûr, j'ai perdu mon crochet, je suis sûre. Puisqu'il était accroché dessus. Bon, je le retrouverai tout à l'heure. Un crochet, non, il n'y a pas de crochet accroché. Un crochet accroché, c'est pourtant tellement logique. Hop, voilà. Donc voilà, et puis les couleurs, j'adore. Non, ça c'est hop, comme ça. Voilà. Voilà, donc pour mon top. Cross me top. Alors, j'ai discuté hier avec Eddie, la designeuse. Pour l'instant, apparemment, elle vend pas ses patrons. Et pourtant, elle en a plein de magnifiques. J'ai vu une jupe, notamment, que j'aimerais faire. Il faut que je branche mon PC. Vite, 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 avant qu'il ne meure. J'ai gagné.
Donc, oui, je lui ai dit que je serais très intéressée. Oh, ben non, il s'est fermé quand même. J'ai perdu. Ah, c'est triste. Obligée de le rallumer. Du coup, je lui ai dit que j'étais très intéressée par faire sa jupe. Et je voulais savoir où la trouver. Donc, j'ai commencé à chercher d'e-makes, moi, sur Ravelry. Je ne l'ai pas trouvée. Donc, je lui ai envoyé un message sur Insta. Et elle m'a dit, ah bah non, je vends pas encore mes patrons parce que j'arrive pas à me servir de Ravelry. Et du coup, elle attend, elle va ouvrir une boutique Etsy apparemment. Donc ok, ça me laisse le temps de finir ce test. Après, j'en ai un autre pour elle qui va arriver, un autre très beau top. Avec des torsades, ouais, comme des torsades, mais en diagonale. Très très joli, j'adore. En plus, elle le présente bleu, elle. Donc, forcément, j'ai craqué dessus. Voilà. Et puis, à partir du 26 juillet, donc, je vais faire ma couverture aussi au crochet. Du coup, le crochet, là, je pense que j'ai pendant toutes les vacances, j'ai de quoi faire. Voilà. Et là, le test, ce sera pour septembre. Donc, j'ai le temps aussi. Je pense, je vais commencer par la couverture. De toute façon, la couverture, je la commence le 26 juillet. J'ai pas le choix, c'est pour les Jeux Olympiques, hein, pour le cal d'Éléonore. Donc, il faut que je la commence le 26 juillet. D'ailleurs, aujourd'hui, Valérie, je vais sûrement faire mon échantillon pour te montrer si c'est bien ou pas bien. Et si c'est pas bien, on se cale toutes les deux une petite visio et tu m'expliques, s'il te plaît. Donc, voilà. Et voilà donc pour le crochet. Donc je suis contente, je suis en train de me passionner pour le crochet. Aïe aïe aïe, comme si j'avais besoin de ça. Ensuite, l'encours sur lequel j'ai super bien avancé, c'est mon gilet Onésime. Donc que je teste pour Ivy Créa dans ma laine Philema. Donc, voilà tout ce que j'ai fait hier. Je suis trop contente. J'adore comment dire, le rendu du Filéma. J'aime trop quoi. Je trouve ça trop trop beau. Et mon coloris licorne, eh ben, je l'ai quasiment terminé. Alors attendez, il faut que je rentre mon mot de passe à nouveau pour rentrer dans mon PC. PC alors. Il ne me reste plus que ça sur le licorne. J'ai tricoté les... Mince, mon mot de passe est incorrect. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme si je connaissais pas mon mot de passe. Des fois, j'écris trop vite pour l'ordi et il n'a pas le temps d'entrer tout ce que j'entre. Voilà, c'est bon. Donc, il me reste plus que ça sur mon coloris licorne. Sur les 37 grammes, je crois, j'avais. Ouais, c'est ça, 37 grammes. Et celui-là est pas très licorne. Je sais pas pourquoi je l'ai mis dans les licornes. Je sais pas d'où il vient en plus. C'est pas grave, il est dans les licornes. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous le montrer comme ça sera peut-être plus simple. Donc là, on avait tout ce qui est coloris rose dans le fade du rose plus foncé au rose plus clair. Et à partir de là, donc j'ai fait le coloris licorne. Coloris licorne qui... je peux plus vous le montrer, j'en ai plus. Qui avait du jaune, du bleu turquoise, du rose, qui était bien, bien licorne, quoi. Voilà. C'est pour ça que je l'appelle le coloris licorne. Voilà. Donc là, je suis sur le dos aussi. Donc, hop, il va se mettre comme ceci. Donc, je passe mon bras. Hop. Là, je pense qu'on va faire un rabat à trois aiguilles, hein. Ça me paraît très logique. Et puis, donc, maintenant, hop, je continue donc
sur le dos, donc jusqu'à atteindre le côté droit en fait. Voilà. L'emmanchure pour l'instant me paraît grande, mais avec la manche, je pense que en relevant un peu moins de mailles, je pense que ça va le faire. Surtout que là, il n'est pas encore accroché. Donc, s'il est bien accroché, je vous baisse un peu. Voilà. Bon, là, c'est un peu grand. Moi, j'aimerais que ça m'arrive à peu près vers là. Mais, ouais, en relevant bien les mailles, en relevant pas tout, une sur deux, genre, je pense que ça va le faire. Voilà, donc je suis très contente. J'ai hâte de poursuivre. Ça, c'est des encours qui m'appellent constamment. Dès que j'ai une minute, j'ai envie de les prendre. C'est hyper agréable à tricoter. Julie Onésime, je pense qu'il sortira fin août, début septembre. Je ne sais pas exactement. Je ne connais même plus la deadline. Je sais que c'est août, mais quel jour, je ne sais plus. Voilà. Voilà. Et puis là, on a fait des petites diminutions aussi. Je pense que c'est pour l'encolure. L'encolure d'eau. Voilà. Donc j'ai hâte de le poursuivre. Voilà. Et puis ensuite, eh bien le soir, j'ai pris mon Vertice Unite. Par contre, la maman est rentrée trop tôt. Elle est arrivée à 10h15, 20 à peu près, 10h30. Du coup, j'ai pas fini ma section. Je voulais finir ma section, moi. Et à 10h30, bah, j'avais pas fini puisque je couche le petit vers 9h15. Donc, ça m'a fait 1 heure, ouais, une grosse heure de tricot. Donc, en une grosse heure, j'ai pas eu le temps de finir ma section. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Et on voit que les rangs raccourcis commencent à tenir dans l'appareil. Donc là, c'est cool. Ça avance, ça avance. Voilà. Donc là, si on reprend 2, 4, 5, voilà où j'en suis. Ça va aller très vite maintenant. Il me reste, je sais pas, peut-être quelques heures de tricot dessus. Mais hier, j'aurais préféré finir à minuit et demi, 3 heures. Moi, j'aurais eu le temps de finir ma section. Combien j'ai de rayures? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il manque 5 rayures roses. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et alors, 5 roses et 6 blanches, il me manque. Donc, il me manque 11 rayures. Donc, vous voyez, là, ça va aller assez vite. C'est peut-être lui que j'ai emmené chez Hélène. Bien qu'il commence à prendre de la place, mais. Ou alors je recommence les côtes de ma chaussette bretonne. Comme ça, elles seront lancées et après je pourrai attaquer le jacquard. Donc voilà, voilà où j'en suis sur le châle. Donc il a pas avancé autant que je l'aurais voulu hier. Lui, voilà. Mince, faut pas que je tire les fils. Voilà. Prête pour la prochaine étape. Et après, je ne sais pas quelle section on fait. On va regarder ça ensemble. Une fois que j'aurai fini celle-ci. Donc la suite logique voudrait que ce soit la section là. Reprendre le milieu ici. Alors attendez, parce que comment est-ce qu'il va déjà? Oui, il va comme ça, hein, je crois. Non. Si, ça c'est le haut. Donc il va comme ça.
Je crois. Ouais, c'est ça. Après, on fait la section entre les deux. Je vous montre. Je vous montre. Là, c'est la plus grosse section après que je vais faire. Donc, la première, j'ai fait celle-ci. Donc, la grande rayée. Là, je suis dans celle-ci, les rangs raccourcis. Et ensuite, donc, on va venir reprendre une maille de la partie de la section 1, une maille de la section 2. Et on va venir monter comme ça la section 3. Donc, comme ça, tout du long jusqu'à la fin de la section 1. Voilà, donc c'est assez volumineux. Ça fait tout ça comme section. C'est gros, hein, pour la section 3. Voilà. Donc là, on va venir comme ça. Je crois, hein, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc la section 3 sera énorme. Et, ah oui, mince, il faut la faire avec quelle couleur? Je crois que c'est la rose clair que je n'ai pas encore prise. Ouais, c'est ça. Donc ce sera en rose clair comme ça. J'espère que ça va aller avec le rose. Ouais, je pense que ça va le faire. C'est pas vraiment les mêmes roses. Puis de toute façon, les cinq couleurs se touchent, hein, c'est obligé. Quand j'ai montré la disposition à Laura, elle m'a dit que c'était parfait. Donc, bon, faut que j'arrête de me poser trop de questions. Voilà, donc la partie 3 sera ici. Et puis après, on continuera sur le dessus du châle. Après, il sera quasiment fini. Je vous montre ce qui reste après. Voilà, donc une fois qu'on aura fait ça, il restera cette section-là, donc qui est toute petite, celle-ci qui est toute petite et celle-ci qui est toute petite aussi. Voilà, il y a six sections. Donc les trois premières, enfin la première et la troisième sont grosses et les autres, ça va en fait. Elles sont assez petites. Donc là, je vais reprendre couleur D, c'est-à-dire ma blanche. Donc ça, ce sera blanc. La A et C, c'est-à-dire marron et rose foncé. Et la B, donc vert. Voilà. Voilà. Donc pour le vert, c'est Unite. Donc j'espère finir cette section aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Donc oui, je vais pouvoir la finir, c'est sûr. Et commencer la prochaine section en rose clair. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait que ça hier. Oh là là, c'est pas bien. Enfin, si j'ai bien avancé, je suis contente. Aujourd'hui, je vais encore essayer d'avancer au maximum mon cross meet-up et le j'allais dire Isonoé, non. Onésime. Et si j'en ai assez, eh bien, je reprendrai autre chose. Je verrai. Parce que lui, en vrai, j'ai le temps. Il avance très vite. Donc, ça va. J'aurai largement le temps de le finir pour la fin. Je pense dans 2 semaines, il est fini, lui. Hein. Max. Grand max. Voilà. Voilà. Il faut que je rentre tous mes fils aussi. Parce que là, je suis sur le devant. Ça va pas. J'ai commencé à les rentrer sur l'autre partie. Hop, je fais au fur et à mesure, comme ça j'ai plus de fil qui m'embête après. Et là sur la partie licorne, j'ai pas fait encore. Ça se voit, ça se voit.
Voilà, donc comment je fais pour rentrer mes fils? Bah, vu qu'ils sont là, vu ils sont tombés sur l'avant, c'est quand j'ai changé mes pelotes. Hein. Je les rentre à l'intérieur avec un crochet et je les rentre au crochet tout simplement. Voilà. Parce que des fois ils sont tout petits et du coup bah, je peux pas les passer dans une aiguille à laine. Donc je les rentre au crochet. Voilà. Voilà. J'espère avoir fini les deux dos aujourd'hui. Je vous ai déjà dit ça hier, je crois, mais c'est long, hein. C'est long, c'est long, c'est long, mine de rien. Hein. Aujourd'hui, j'ai aussi. Il faut que j'aille chercher un colis. Normalement, on va y aller cet après-midi avec Chéri. Il est obligé de venir avec moi parce que vous savez, c'est les lockers. Et si le colis est tout en haut, je peux pas l'attraper. Du coup, bah, il faut qu'il vienne avec moi. Puis ça nous fait une petite balade, c'est sympa. Voilà. Bah, sur ce, moi, je vous laisse. Et il faut que je fasse un gâteau aussi pour le goûter. Sûrement faire un fondant au chocolat ou un brownie ou. Je sais pas, je verrai quelque chose avec du chocolat puisque j'ai. Ah, il y a Bella qui passe devant vous. Ça, c'est pour Alice qui se plaint de ne jamais l'avoir. Elle a compris. Oui, j'ai du chocolat, donc je pense faire un gâteau au chocolat. Lequel, je ne sais pas encore, ça dépendra des aliments que j'ai et qu'il me faut. Il faut aussi que je m'occupe comment dire, de télécharger mon contrat de travail sur Pôle emploi pour pouvoir être indemnisée pour le mois de juin, parce que pour le mois de juin, j'ai encore même pas tout reçu. Ah là 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 là, les joies de l'administration. Bah oui, j'attendais que j'ai ma fiche de paye et mes contrats du ménage pour le McDo et d'Antoine. J'ai que ceux d'Antoine. Donc pour l'instant, j'ai encore rien reçu du McDo. Ils sont longs, ils sont longs, ils sont longs. Voilà, pourtant, c'est un style d'agence d'intérim qui m'a embauchée. Enfin, qui m'avait embauchée, puisque on n'a pas continué. Et ils devraient avoir l'habitude, quoi, de traiter les dossiers rapidement. Enfin, je sais pas, ça fait un mois et demi, quoi. Un mois et demi, j'ai toujours pas la paye, ni la fiche de paye, ni le contrat pour les. J'ai fait quoi? 3 jours, je crois. 3 jours que j'ai travaillé. C'est abusé, je trouve, quand même. Hein. Ils mettent tout le monde dans la mouise, là, parce qu'en attendant, Pôle emploi, ils attendent. Ils versent rien tant qu'ils n'ont pas tous les papiers. Donc là, le mois de juillet, c'est chaud. Hein. Pour l'instant, j'ai eu 300 euros au mois de juillet. Heureusement que Ingrid, la maman d'Antoine, m'a fait une petite avance sur mon salaire, parce que là, elle me doit encore la fin. Pareil, elle m'a pas versé tout mon salaire de juin encore. Mais bon, elle a une bonne raison, hein. Elle avait rendez-vous avec Page Emploi et bah, il fallait que le rendez-vous se passe pour qu'il lui explique bien tout. Et là, elle l'a eu mercredi, donc le virement devrait pas tarder à arriver maintenant. Enfin, le complément du coup. C'est dur. Hein. C'est dur, c'est dur. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. En août, ça devrait aller plus vite puisque bah, le RIB est enregistré. Maintenant, tout est OK. Et puis j'aurai pas le McDo et j'aurai pas Pôle emploi non plus puisque là j'ai travaillé le mois complet. Donc c'est clair que Pôle emploi là ils vont plus rien me verser. Voilà. Par contre j'espère qu'ils vont me verser juin quand même. Normalement oui ça doit être rétroactif, hein, j'espère. Parce que si je touche mon salaire de juillet avant qu'eux me versent ma part de juin, ouais si je pense quand même qu'ils vont me verser. Bon, on verra. Je vous redirai ça quand j'aurai tout touché, ce qu'il me devait pour le mois de juin. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, vous le savez, vous me posez en commentaire sous la vidéo ou sur Ravelry ou sur Ko-fi ou par mail ou ce que vous voulez. Voilà. J'allais dire quoi encore d'autre? Il y a Bella qui m'a coupée dans mon élan. Elle fait ses griffes sur un carton, vous inquiétez pas, elle casse pas tout. Je leur laisse des cartons à disposition dans l'appartement pour qu'elles puissent faire leurs griffes sur les cartons. Là, elle a fait tomber mon
Ma réserve de lait Clopie. Je leur laisse des cartons donc pour qu'elles puissent faire leurs griffes sur des cartons et non sur les murs. Parce que c'est beaucoup moins gênant de jeter un carton qu'un mur. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bon tricot. Salut!